Très chère amie Balance, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril. Alors une guidance qui vaut pour nos amis Balance et Ascendant Balance, dont je fais partie, donc j'ai toujours hâte de découvrir ce qui va se passer pour les Balances. Et donc à cet effet, bien évidemment, je vous invite à aller voir pour votre ascendant, c'est très important ami Balance, parce que votre ascendant va plutôt faire référence à votre comportement quotidien, je fais très simple et très synthétique, là où votre signe solaire va faire référence à votre personnalité, donc l'un n'étant pas dissociable de l'autre. Alors, j'ai laissé un joli rayon de soleil, je trouve que c'est quand même plutôt agréable. Bien qu'on ne verra pas très bien les cartes, je les rapprocherai de l'écran et je vous invite de toute façon, si vous découvrez surtout cette vidéo au mois de mars, eh bien à revenir la voir au mois d'avril si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait envisageable et à la limite ça me paraît même logique puisque c'est bien pour le mois d'avril. Et eh bien à cet effet, vous disposez aussi des playlists sous chaque vidéo, donc mettez-vous un rappel, c'est très important parce que souvent, ce qui ne vous parle pas sur l'instant T vient tout à fait corroborer 2 semaines, 3 semaines après. J'ai beaucoup de retours en ce sens. Alors, on va découvrir tout cela et voir ce qui vous attend. On va regarder d'abord l'énergie avec le Tao. Et l'énergie, c'est l'accroissement. Waouh! Ça commence fort, l'accroissement. Donc, sur ce mois d'avril, un besoin de partager, un besoin de se sentir relié, un besoin de parfaire à l'épanouissement, à la notion d'équilibre, qui n'est pas équilibré n'est pas balance, vous voyez ce que je veux dire. Ça nous encourage, si vous voulez, à aller atteindre cette notion de cycle d'abondance. Mettre de l'abondance dans sa vie, bah, c'est de toute façon y parfaire, hein, donner de la consistance et nourrir le quotidien pour pouvoir atteindre cette notion d'abondance. Donc, on a vraiment cette sensation que là, c'est un mois peut-être tremplin, tournant, pour vous permettre d'aller dans le sens de l'accroissement. Bon, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, peu importe le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo, et une fois de plus, tout dépend de votre situation. Ça ne vaudra jamais une guidance générale, cela va de soi. Vous disposez des liens en dessous de la vidéo si vous souhaitez effectuer, approfondir pour une guidance privée. Allez, on découvre ensemble sur quoi vous devez travailler concernant, eh bien, ouf, ce mois d'avril. On est sur le 9 d'épée, mais inversé, tout va bien, super. 9 d'épée inversé. Alors, sortir des tourments, des inquiétudes. Peut-être vous êtes passé par des états de fluctuation, par des états où c'était pas très confort. Un peu d'insomnie, un peu de soucis, un peu de mal-être. Voilà, des tourments, c'est terminé. On en sort. Voilà, c'est la bonne nouvelle. C'est terminé, on en sort. Ce mois d'avril, c'est vraiment le mois de on respire, on renaît. On est en plein dans cette notion, et même à l'heure où j'effectue cette vidéo, nous n'y sommes pas encore d'ici quelques jours, mais on rentre en plein dans cette notion. Alors c'est bon, l'éclosion est là, on y va, on lâche tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui nous a mis un petit peu en, comme je dis, en down, hein, en bas, eh bien on se relève, d'accord? On voit les choses autrement, on optimise. Optimiser, ça va très très bien avec les balances. Bon, ok, donc ce sur quoi vous devez travailler est très très intense. Allez, on découvre maintenant qu'est-ce qui peut vous aider pour vous permettre d'évoluer. Ouh, super! Le 2 de denier, génial! Très bonne nouvelle, le 2 de denier, ça nous dit flexibilité, retour à l'équilibre, on parle de point d'appui, revenir à soi, peut-être aussi réorganiser son temps. Donc, c'est de vous occuper de vous. Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui nous dit, pour aller dans le sens de l'accroissement, c'est déjà, ça passe déjà par soi. Occupe-toi de toi, occupe-toi de ton bien-être, occupe-toi de continuer à donner un point d'équilibre, ou d'y tendre, ou d'y revenir, hein, selon ce que vous avez traversé. Et c'est vraiment la situation, je dirais, l'énergie qui va vous permettre de pouvoir rebondir dans le temps et sortir de cette configuration qui a été peut-être un petit peu déstabilisante ou un peu complexe. Bon, personnellement, je ne sais pas vous, j'attends vos commentaires, moi j'ai été très fatiguée. Hein. Là, je sais que sur cette semaine, ces dernières semaines, j'ai été très fatiguée, par exemple. Bon, alors, est-ce que les changements de planète aussi, hein, sur le mois de mars, 6 planètes qui changent, hein, de signe, c'est pas rien, donc ça va aussi favoriser. Ok? Allez, courage, on y est, on arrive sur le beau, la preuve, on a un beau rayon de soleil. Alors, quelle émotion doit être cultivée pour vous permettre d'avancer? Waouh, génial, regardez-moi ça, le roi de bâton. L'émotion, c'est le roi de bâton. Donc ici, le roi de bâton, bah, ça vient faire référence à, tu as de la force, tu as du rayonnement, voilà. Utilise tes attributs, balance.
vénusien. Donc, tout ce qui va être sympathique, tout ce qui va être joyeux, tout ce qui va être agréable, toutes ces émotions qui font du bien, le partage, le petit sourire, c'est très balance. Donc, c'est ça, en fait. Appuie-toi sur toutes tes belles ressources intérieures, c'est ce que ça vous dit. Qu'est-ce qui peut m'aider? Quelle est l'émotion pour m'aider à avancer? Ben, c'est tout ce qui va venir, justement, nourrir ton émotionnel, nourrir cette notion, je dirais, de bien-être, d'harmonie, de pérennité, de légèreté aussi, pour avancer en pleine prospérité. Bon, génial. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. On va voir hein, si ça continue, il n'y a pas de raison. Allez, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière pour avancer? Ouh, ah oui, la mort. Eh bien, ce qu'on doit laisser derrière pour avancer, et quel que soit votre domaine, avec la mort, c'est tu dois achever tout ce qui ne correspond plus à ton plan de vie. Donc, relations nocives, toxiques, lourdes, je dirais vampirisantes, derrière. Situation qui ne convient plus, on arrête. Posture, pourquoi pas. Posture de « oh j'en ai marre » pour celles et ceux qui pourraient être très sucrés. Voilà, sucrés. Celles et ceux qui pourraient fumer, celles et ceux qui auraient arrêté le sport, c'est « j'arrête, j'y vais ». J'arrête de fumer, je reprends le sport. J'arrête le sucré, je me place dans une diététique. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, allez, renouvelle tout ça, régénère. Hein. Maintenant, il est temps. C'est incroyable parce que là, c'est vraiment l'emplacement où on nous dit, qu'est-ce que tu dois laisser derrière pour avancer? Et là, on est vraiment sur cette notion de la carte de la mort, c'est-à-dire tout ce qui viendrait finalement bloquer le chemin. Et avec la notion de la mort, on peut quand même aussi en parler, c'est tout ce qui viendrait contrer soit un cycle de libération, soit un site de transit, de renouvellement sur le plan de croissance. Donc, ça vient nous dire, en fait, achève un cycle et tu renais. C'est vraiment ça, cette notion d'accroissement. Vous voyez, c'est très en lien avec le début du tirage. Renaissance, régénérescence. On arrête avec tout ce qui ne convient plus. Voilà, c'est clair et net, le message il est là. Donc, quelle est l'étape pour commencer à avancer et cheminer vers cet objectif qu'on va découvrir? Oh, waouh! Oh là là, super! Regardez-moi ça, l'as d'épée. On passe de la mort, ce que je dois laisser, c'est vraiment tout ce qui ne va pas, et on avance avec l'as d'épée. C'est-à-dire, l'as d'épée, c'est le déterminisme. Ok, j'ai confiance en moi, je retrouve confiance en moi, je reste concentré ou je reviens à me concentrer sur mes objectifs, mes buts. Je saisis les opportunités. De toute façon, j'ai le charisme, le rayonnement. J'ai cette force intérieure. Donc, ok, ça n'a peut-être pas été simple. Ok, les configurations n'étaient peut-être pas faciles. Mais ce n'est pas grave. Il y a le tremplin. Tout est là. Donc, vas-y. Déterminisme. Go, en avant. Génial. Maintenant, on va découvrir l'objectif. Allez. Oh. Le soleil. Waouh. Exceptionnel. Le soleil. Mais ça vient nous dire, voilà, tu vois, t'es passé de ça, t'es en train de te remettre sur pied, ça renaît, on tourne la page, on va de l'avant, et à partir de là, il y a une forme de facilité sur le plan d'action. Il y a une notion de mise en lumière, de comprendre peut-être pourquoi on est passé par là aussi. D'aller dans le sens de l'aboutissement, de retrouver de la joie, de l'énergie, de la confiance. Toujours cette notion de déterminisme, détermination, à travers ce que l'on a envie de rayonner, ce qu'on a envie d'atteindre en termes de réussite, que ce soit sentimental, professionnel, financier, peu importe. Donc, oh la vache, c'est génial, pardon pour le... Oh la vache, ça c'est un tic que j'ai, mais bon, c'est pas grave. Allez, on est ce qu'on est, moi je suis authentique, vous le savez. Mais vraiment, il y a cette notion de faire dans l'élan. Dans l'élan, dans la perspective, dans le meilleur, atteindre ses objectifs... être animé de la profondeur des liens. Enfin, moi, j'ai envie de vous dire que tout va bien. La carte qui vient de tomber, c'est la guérison, mes amis. De toute façon, vous voyez, ça a du sens avec l'accroissement. C'est clair et net. Hein. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est vraiment ce que je ressens. Un cycle de, à la fois de guérison, de lâcher prise et de maturité. Et c'est ça, l'épanouissement. Bon, ben j'attends vos commentaires avec hâte. Merci encore pour vos likes, vos présences. Et puis, je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Prenez vraiment soin de vous et à très bientôt. Je vous embrasse, au revoir.